All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Le juge président, monsieur le greffier d'audience, une fois que les photographes auront terminé, merci beaucoup. Monsieur le greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît. Le greffier d'audience, oui, monsieur le président, bonjour. Il s'agit de la situation en République démocratique du Congo, en l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga Dilo. Référence de l'affaire ICC 0104-0106. Et enfin, du compte rendu, je tiens à préciser que nous sommes en audience publique. Le juge président, je vous remercie. Puis-je demander aux parties de bien vouloir présenter leurs équipes respectives, et je commence par le bureau du procureur. Le procureur, Madame Matsuda. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, le bureau du procureur est aujourd'hui représenté par Monsieur Fabricio Guarilla, directeur chargé des poursuites, Nicole Sampson, premier substitut du procureur, Manoj Sachdeva, substitut du procureur, Carmen Garcia Ramos, chargé de la gestion du dossier, et moi-même, procureur de la Cour, Fatou Bensouda. Le Président, je vous remercie. Je m'adresse maintenant à la défense de M. Lubanga. Merci, M. le Président. La défense est représentée par Caroline Buteau, Jean-Marie Bijoux-Duval et Catherine Mabilly, moi-même. Merci. Je me tourne vers le représentant légal des victimes maintenant. Je crois comprendre que c'est vous qui représenterez les deux groupes aujourd'hui. Le Président, mon nom est Luc Wallen. Je représente en effet ma propre équipe V01 ainsi que par procuration l'équipe V02. Je suis assisté par les deux case managers des deux équipes, Madame Evelyne Ombeni et Madame Sylviana Gogino. Merci. Thank you so much. Le juge président, merci beaucoup. Je vais présenter la chambre d'appel. À ma droite se trouvent les juges Sang et Monaghan. Et à ma gauche, les juges Ushatska et Trenda Filova. Je m'appelle Erki Kouroula et je suis le juge président dans la procédure d'appel aujourd'hui. Aujourd'hui, la chambre d'appel rend son arrêt relatif à l'appel interjeté par M. Lubanga à l'encontre de la décision de la Chambre de première instance 1, intitulée « Jugement en application de l'article 74 du statut ». La Chambre statue sur les appels du procureur et de M. Lubanga à l'encontre de la décision de la Chambre de première instance 1, intitulée « Décision relative à la peine en application de l'article 76 du statut ». Dans le présent résumé, je dénommerai les deux décisions attaquées, le jugement et la décision relative à la peine, respectivement. De même, je parlerai de M. Thomas Lubanga Dilo en tant que M. Lubanga. Dans un premier temps, je vais résumer l'arrêt de la chambre d'appel relatif à l'appel interjeté par M. Lubanga à l'encontre du jugement. Veuillez noter que seul le texte de l'arrêt fait foi. Celui-ci sera d'ailleurs notifié aux parties
peu après cette audience. Le 14 mars 2012, la Chambre de première instance 1 a rendu le jugement déclarant M. Lubanga coupable sur la base des articles 8, 2, E, 2 petit i et 25.3a du statut. D'avoir conjointement avec ses co-auteurs commis les crimes suivants. Crimes de conscription et d'enrôlement et d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans au sein de l'UPC-FPLC pour les faire participer activement à des hostilités en Éthiopie, en République démocratique du Congo. Et ce, entre le début septembre 2002 et le 13 août 2003, dans le cadre d'un conflit armé non international. Le 3 octobre 2012, M. Lubanga a déposé son acte d'appel. Et le 3 décembre 2012, M. Lubanga a déposé son mémoire d'appel à l'encontre du jugement. Le 4 février, soit une année plus tard, le procureur a déposé sa réponse au mémoire d'appel. Les groupes de victimes 1 et 2 ont participé à la procédure par voie d'écriture et d'observation orale. Monsieur Lubanga invoque de nombreux arguments sous trois grandes rubriques, elles-mêmes divisées en 7 sous-catégories distinctes. La Chambre d'appel a examiné les arguments de M. Lubanga en fonction de ces sous-catégories et les a traités comme 7 moyens d'appel. Outre les moyens d'appel que j'aborderai dans un premier temps, qui sont soulevés dans son mémoire d'appel, M. Lubanga a déposé 3 requêtes aux fins de présentation d'éléments de preuve supplémentaires. Le 26 novembre 2012, M. Lubanga a déposé une requête afin d'être autorisé à présenter des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de son appel du jugement et de la décision relative à la peine. La première requête aux fins de présentation d'éléments de preuve supplémentaires comportait une demande d'audition par la chambre d'appel de 2 témoins que j'appellerai les témoins D40 et D41. Le 23 décembre 2013, Monsieur Lubanga a déposé une deuxième requête aux fins de présentation d'éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de son appel du jugement et de la décision relative à la peine. Dans cette deuxième requête, Monsieur Lubanga a demandé l'autorisation d'ajouter un nouveau moyen d'appel, demande à laquelle la Chambre d'appel a fait droit le 14 janvier 2014. Les 19 et 20 mai 2014, donc de cette année, la Chambre d'appel a tenu une audience pendant laquelle elle a entendu la déposition des témoins D40 et D41, ainsi que des observations supplémentaires de la part des parties et participants sur les points soulevés dans l'appel. Le 23 mai de cette année, M. Lubanga a déposé sa troisième requête tendant à obtenir présentation d'éléments de preuve supplémentaires et à faire admettre au dossier des documents auxquels il a été fait référence lors de la déposition des témoins D40 et D41. Comme il s'agit là d'une question préliminaire, la Chambre d'appel abordera d'abord la question de l'admissibilité des éléments de preuve supplémentaires visés dans les 3 requêtes de M. Lubanga. Les critères régissant l'admissibilité d'éléments de preuve supplémentaires au stade de l'appel sont prévus dans les textes juridiques de la Cour et découlent de la nature et du but de la procédure d'appel dont la finalité est corrective. Par surcroît, la Chambre de première instance
est mieux placé que la Chambre d'appel pour apprécier l'élément de preuve à la lumière de tous les moyens présentés au procès. Dès lors, les éléments de preuve sont, sauf exception limitée, présentés au procès. Compte tenu de ces considérations, la Chambre d'appel conclut que la présentation d'éléments de preuve supplémentaires en appel est autorisée si, petit 1, la Chambre d'appel est convaincue qu'il existe des raisons justifiant la non-présentation de ces éléments de preuve au procès, y compris la question de savoir si ces éléments auraient pu être présentés si l'on avait agi avec toute la diligence voulue, et B, s'il est démontré que si l'élément de preuve supplémentaire avait été présenté devant la Chambre de première instance, celle-ci aurait rendu un verdict partiellement ou entièrement différent. De plus, la Chambre d'appel considère que l'admission d'éléments de preuve supplémentaires en appel peut être autorisée s'il est démontré que la procédure attaquée était inéquitable, ce qui, partant, invaliderait le jugement rendu en application de l'article 74. En appliquant ces critères aux trois requêtes de M. Lubanga, aux fins de présentation d'éléments de preuve supplémentaires, la Chambre d'appel conclut que tous les éléments supplémentaires sollicités sont inadmissibles, soit parce qu'ils étaient disponibles au stade du procès, ou qu'ils auraient été disponibles si on avait agi avec toute la diligence voulue, soit parce que la Chambre d'appel n'estime pas que si les éléments de preuve supplémentaires avaient été présentés au procès, le verdict de la Chambre de première instance aurait été partiellement ou entièrement différent. S'agissant plus particulièrement des témoins D40 et D41, la Chambre d'appel conclut que M. Lubanga aurait pu les citer au stade du procès et qu'il n'a pas réussi à la convaincre de la raison justifiant qu'il ne l'ait pas fait. Je vais maintenant aborder le premier moyen d'appel invoqué par M. Lubanga, lequel se rapporte à la question de savoir si la charge pour laquelle il a été condamné lui avait été notifiée de façon suffisamment détaillée. M. Lubanga fait valoir que les charges pour lesquelles il a été condamné ne lui avaient pas été notifiées de façon suffisamment détaillée pour ce qui est des dates et des lieux relatifs aux cas d'enrôlement, de conscription ou de participation à des hostilités, ainsi que de l'identité des victimes. Il soutient que le fait qu'il n'ait pas été informé de façon suffisamment détaillée des charges pour lesquelles il a été condamné, que ce fait a porté préjudice à sa capacité à se préparer et à préparer sa défense. La Chambre d'appel considère que les informations relatives aux charges en l'espèce étaient contenues dans le document de notification des charges ainsi que dans la décision de confirmation des charges. Ils étaient également contenus dans le document de notification des charges amendées et le résumé des éléments de preuve. Dans ses arguments, toutefois, M. Lubanga n'évoque que sommairement la décision de confirmation des charges et ne se réfère aucunement au document de notification des charges amendées ou au résumé des éléments de preuve. La Chambre d'appel estime que M. Lubanga aurait dû étayer ses arguments en se fondant sur ces deux documents. La Chambre d'appel note par ailleurs que lorsqu'il se plaint d'avoir subi un préjudice, M. Lubanga ne démontre pas que sa capacité à se défendre a été sensiblement compromise en faisant référence aux éléments de preuve présentés au procès et sous-tendant le jugement.
La chambre d'appel conclut donc que M. Lubanga n'a pas fourni de preuves de ce qu'il a avancé, savoir que les charges ne lui avaient pas été notifiées de façon suffisamment détaillée pour ce qui est des dates et des lieux relatifs au cas d'enrôlement, de conscription ou de participation à des hostilités et de l'identité des victimes. De surcroît, M. Lubanga n'a pas fourni de preuves du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de l'absence présumée de détails. En conséquence, la Chambre d'appel rejette ce moyen d'appel. Au titre du deuxième moyen d'appel, M. Lubanga allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur dans la manière dont elle a traité certains manquements prétendus du procureur à ses obligations statutaires. Ce qui, de l'avis de M. Lubanga, a entaché le procès d'iniquité. La Chambre d'appel fait remarquer que nombre des allégations faites au titre de ce moyen d'appel avaient déjà été tranchées par la Chambre de première instance dans sa décision du 23 février 2011, décision relative à la requête de M. Lubanga, afin d'arrêt définitif de la procédure. Ainsi, dans cette décision, la Chambre de première instance avait conclu qu'aucune de ces violations présumées, même appréciées à leur valeur maximale, n'entachait le procès d'iniquité et avait rejeté la requête aux fins d'arrêt définitif de la procédure. En appel, M. Lubanga ne conteste ni l'approche ni les conclusions de la décision relative à la suspension de la procédure. C'est pourquoi la Chambre d'appel ne procédera pas à un examen des arguments sur lesquels porter cette décision. M. Lubanga avance que le procureur a violé ses obligations statutaires qui consistaient, premièrement, à mener véritablement à bien ses enquêtes à décharge et à établir ou à vérifier la fiabilité des éléments à charge. Deuxièmement, à divulguer les éléments de preuve à décharge ainsi que les éléments susceptibles d'entamer la crédibilité des éléments à charge. Troisièmement, à préserver son indépendance. Quatrièmement, à respecter le droit de M. Lubanga à un procès équitable et impartial. La Chambre d'appel écarte ou rejette tous les arguments de M. Lubanga au titre de ce moyen d'appel parce qu'il n'a pas fourni de preuves de ce qu'il avance et qu'il a déformé les conclusions de la Chambre de première instance et le dossier de l'espèce. Et parce que la Chambre d'appel n'a relevé aucune erreur dans les mesures prises par la Chambre de première instance afin d'assurer l'équité de la procédure. En conséquence, la Chambre d'appel ne retient pas le deuxième moyen d'appel invoqué par M. Lubanga. Au titre du troisième moyen d'appel, M. Lubanga fait valoir que la Chambre de première instance n'a pas statué sur la présentation de faux témoignages par le procureur et qu'elle n'a pas tenu compte de leurs conséquences pour l'intégrité de la procédure. Il soutient que la gravité exceptionnelle d'une telle situation caractérise une violation des règles du procès équitable. La Chambre d'appel fait remarquer qu'au titre de ce moyen d'appel, M. Lubanga soulève essentiellement les mêmes arguments que ceux qu'il invoquait dans son deuxième moyen d'appel. Dans la mesure où ces arguments sont répétitifs, la Chambre d'appel ne les abordera pas à nouveau. Par ailleurs, M. Lubanga semble affirmer que le procureur a intentionnellement présenté de faux témoignages à la Chambre de première instance et que celle-ci aurait dû l'acquitter, puisque le comportement du procureur avait entaché l'intégrité du procès. La Chambre d'appel considère que M. Lubanga n'a pas étayé ses arguments, argument basé uniquement sur des affirmations trompeuses et erronées de la part de M. Lubanga au sujet des conclusions et des déclarations de la Chambre de première instance. Ces arguments sont donc rejetés in limine. En conséquence, la Chambre d'appel ne retient pas le troisième moyen d'appel invoqué par M. Lubanga.
Au titre de son quatrième moyen d'appel, M. Lobanga avance que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de fait en se fondant pour l'établissement de l'élément relatif à l'âge sur sa propre appréciation d'extraits vidéo et sur le témoignage de témoins non experts. La Chambre d'appel rejette tous les arguments juridiques avancés par M. Lobanga au titre de ce moyen d'appel. S'agissant de l'approche globale retenue par la Chambre de première instance afin d'établir l'élément relatif à l'âge, en se fondant sur sa propre appréciation à partir d'extraits vidéo illustrant des enfants présumés avoir moins de 15 ans, la Chambre d'appel considère que la question de savoir si un tel élément de preuve peut effectivement servir à déterminer l'élément relatif à l'âge est une question factuelle. La Chambre d'appel estime que l'un des facteurs pertinents au fin de son examen de la question de savoir si une constatation factuelle de la Chambre de première instance était raisonnable ou pas, et le fait de savoir si la Chambre de première instance a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a procédé à l'évaluation de l'âge des individus sur la base d'images vidéo. Compte tenu de la circonspection dont a fait preuve la Chambre de première instance dans le traitement de ces extraits vidéo, la Chambre d'appel ne relève rien de déraisonnable dans cette approche globale. Monsieur Lobanga conteste en outre la confiance accordée par la Chambre de première instance à l'évaluation par des témoins non experts de l'âge d'individus sur la seule base de leur apparence physique. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a apprécié de façon circonspecte les dépositions des témoins non experts. De même, elle a soigneusement évalué la capacité de chaque témoin à déterminer l'âge et a tenu compte de facteurs tels leur expérience auprès d'enfants démobilisés, leur connaissance des conditions prévalant dans la région et le niveau de contact qu'ils avaient eu avec les personnes dont ils devaient estimer l'âge. En conséquence, la Chambre d'appel ne trouve pas déraisonnable le recours par la Chambre de première instance à ce type de preuve. Monsieur Lobanga conteste aussi l'évaluation faite par la Chambre de première instance de certains extraits vidéo précis et du fait qu'il juge déraisonnable qu'elle s'est fondée sur des témoins en particulier pour estimer l'âge d'individus sur la base de leur apparence physique, ainsi que sur un élément de preuve documentaire. La Chambre d'appel écarte ou rejette tous ces arguments pour des motifs exposés plus avant dans le présent arrêt. Au titre de ce cinquième moyen d'appel, M. Lobanga fait appel de la condamnation selon laquelle il aurait procédé à la conscription d'individus de moins de 15 ans dans les rangs de l'UPC FPLC. En premier lieu, M. Lobanga soutient que la Chambre de première instance a fondé ses conclusions essentiellement sur des éléments de preuve portant sur les campagnes de recrutement et de mobilisation et sur ceux ne démontrant que la présence d'individus de moins de 15 ans dans les rangs de l'UPC FPLC. M. Lobanga affirme que ces éléments de preuve ne mettent pas en avant le caractère obligatoire qu'est le critère requis dans le crime de conscription. La Chambre d'appel estime que les campagnes de recrutement contenaient des cas de conscription par l'emploi de la force ou de la menace. M. Lobanga n'a pas contesté ces cas-là. Par conséquent, la Chambre d'appel n'a pas besoin de se pencher sur les arguments de M. Lobanga sur le fait de savoir si les conditions de vie au quotidien en Ituri à l'époque des faits ou la pression exercée sur les communautés déterminent le caractère obligatoire qui permet de faire une distinction entre la conscription et l'enrôlement. En deuxième lieu, M. Lobanga soutient que la distinction entre le crime d'enrôlement et celui de conscription est que l'acte de conscription implique l'incorporation de l'enfant au sein du groupe armé
contre sa volonté. La Chambre d'appel rejette cet argument en ce sens que cet acte contraire à la volonté de l'individu conscrit n'est pas un élément requis dans le crime de conscription. Enfin, M. Lubaga soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il était possible de traiter ensemble les crimes distincts de conscription et d'enrôlement. La Chambre d'appel estime que, quand bien même un problème se pose dans les conclusions générales de la Chambre de première instance, en ce sens qu'elle n'identifie pas clairement les faits qui permettent d'établir l'élément de contrainte, sa décision d'examiner ces deux crimes ensemble n'équivaut pas à une erreur de droit. Les conclusions de la Chambre de première instance relatives à l'élément de contrainte étaient clairement établies et ont pu être examinées par M. Lubanga et par la Chambre d'appel. En ce qui concerne le sixième moyen d'appel, M. Lubanga allègue que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de fait en concluant qu'il était coupable d'avoir, conjointement avec d'autres, fait participer activement à des hostilités des enfants de moins de 15 ans. Les erreurs de droit tournent autour de la définition appliquée par la Chambre de première instance pour déterminer le sens à donner à l'expression « les faire participer activement à des hostilités ». La Chambre d'appel rejette l'allégation de M. Lubanga relative à cette erreur, selon laquelle la participation active uniquement, telle que comprise dans le droit humanitaire international, est couverte par la phrase « participer activement à des hostilités ». Le but de l'article 8, paragraphe 2, petit e, 7, romain, du statut est différent du principe qui distingue les combattants des civils en droit humanitaire international. Cependant, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur dans l'interprétation des activités indirectes d'un enfant qui serait couverte par l'article 8.2.e.7 romain du statut. Elle estime qu'une base ne sous-tend pas la définition d'un critère pour savoir si, du fait de ses activités, un enfant serait exposé à un danger réel en tant que cible potentielle. La Chambre estime qu'il est nécessaire d'analyser le lien entre l'activité de l'enfant et le combat dans lequel est engagé les forces armées ou le groupe armé de l'auteur du crime. Néanmoins, la Chambre d'appel estime que cette erreur n'a aucune incidence sur les circonstances en la présente affaire, car la Chambre de première instance a conclu que les individus ont participé soit dans les combats ou étaient des gardes ou des gardes du corps dans des zones de conflit. Il y avait par conséquent un lien suffisant avec les combats. En ce qui concerne les nombreuses erreurs de fait alléguées par M. Lubanga à propos de la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle les individus de moins de 15 ans ont participé activement à des hostilités, la Chambre d'appel soit les réfute, car ces arguments ne sont pas justifiés, ou les rejettent, car les conclusions de la Chambre de première instance ne sont pas déraisonnables, ou encore estiment que ces erreurs n'ont aucun effet significatif pour des raisons détaillées dans l'arrêt. Enfin, ce qui concerne le septième moyen d'appel, la Chambre de première instance a conclu que M. Lubanga était coupable d'avoir commis les crimes de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et de les avoir fait participer activement à des hostilités en tant que co-auteur au sens de l'article 25
3A du statut. La Chambre de première instance a conclu que M. Lubanga a, avec d'autres personnes, accepté et a participé à un plan commun de constituer une armée afin d'établir et de maintenir un contrôle politique et militaire sur l'Ituri. Cela a eu pour résultat, dans le cours normal des événements, la conscription et l'enrôlement de garçons et de filles de moins de 15 ans et dans leur participation active à des hostilités. Monsieur Lubanga avance 3 erreurs de droit et plusieurs erreurs de fait dans les conclusions de la Chambre de première instance relatives à sa responsabilité pénale individuelle. En premier lieu, il fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que l'accord sur un plan commun mène à la coperpétration si son exécution comporte un risque suffisant que, dans le cours normal des événements, un crime serait commis. Il avance le même argument en ce qui concerne les conclusions de la Chambre sur l'élément mental à propos duquel la Chambre a fait également référence à la notion de risque. La Chambre d'appel rejette ces deux allégations de droit, d'erreur de droit et rappelle que ces conclusions étaient fondées sur l'interprétation de la Chambre de première instance de l'article 30 du statut et en particulier de la phrase, et je cite, « Cela adviendra dans le cours normal des événements », fin de citation. Selon la Chambre d'appel, cela signifie qu'il doit être pratiquement certain que dans le cours normal des événements, il y aura des conséquences. La Chambre d'appel estime que la référence à la notion de risque par la Chambre de première instance porte à confusion et aurait dû être évitée lorsqu'elle a interprété l'article 30, paragraphe 2 du statut. Néanmoins, la Chambre d'appel est d'avis que l'approche de la Chambre de première instance n'a pas étendu la portée de l'article 30 du statut. Dans ses conclusions juridiques, la Chambre de première instance a insisté sur le fait que des conséquences se produiraient dans le cours normal des événements. La Chambre de première instance a par conséquent respecté les termes de l'article 30 du statut et elle a également conclu que dans les circonstances spécifiques qui prévalaient en Ituri, à l'époque des faits, le plan commun visant à constituer une armée efficace pour assurer le contrôle politique et militaire de l'Ituri de l'UPC-FPLC a mené directement au recrutement d'individus de moins de 15 ans. Par conséquent, le plan commun comprenait des objectifs non criminels en plus d'objectifs criminels. Aussi, l'exigence de la Chambre de première instance d'un élément de criminalité critique dans le plan commun signifie, dans le cas de la présente affaire et des allégations spécifiques formulées contre M. Lubanga, qu'il était pratiquement certain que l'exécution du plan commun mènerait à la commission de crimes, des crimes dont il est question. En second lieu, M. Lubanga affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'un co-auteur n'a pas besoin de participer personnellement et directement à la commission du crime. La Chambre d'appel rejette cette allégation d'erreur de droit. La Chambre de première instance a conclu, sur la base de la théorie du contrôle du crime, du contrôle sur le crime, qu'un co-auteur doit contribuer de manière essentielle et n'a pas besoin de commettre personnellement et directement le crime. La Chambre d'appel confirme l'approche de la Chambre de première instance sur la base de son interprétation de l'article 25.3 du statut. Elle estime que dans des circonstances où plusieurs personnes sont impliquées dans la commission d'un crime couvert par le statut, la question de savoir si un accusé a commis un crime
ne peut seulement trouver de réponse en faisant référence au fait de savoir s'il a exécuté directement le crime. Il est exigé pour cela une évaluation normative du rôle de l'accusé dans les circonstances spécifiques de l'affaire. L'instrument le plus approprié pour effectuer une telle évaluation est de savoir si l'accusé exerçait un contrôle sur le crime en raison de sa contribution essentielle et le pouvoir qui en résulte d'arrêter la commission de ce crime, même si cette contribution essentielle n'intervient pas au stade de l'exécution du crime. Aussi, la Chambre d'appel n'est pas convaincue par l'argument de M. Lubanga. M. Lubanga voudrait également contester les conclusions factuelles de la Chambre de première instance en appliquant les normes juridiques établies. La Chambre d'appel estime que certains éléments ne sont pas justifiés et rejette toutes les autres allégations d'erreur selon lesquelles les conclusions de la Chambre de première instance n'étaient pas raisonnables. En résumé, la Chambre d'appel à la majorité, avec l'opinion partiellement dissidente du juge Song et de l'opinion dissidente du juge Uchaska, confirme la décision relative à la peine et rejette l'appel. Le juge Song et le juge Uchaska vont à présent prendre la parole pour résumer leurs opinions respectives. Je donne la parole au juge Song. Je vous remercie, Monsieur le juge président. Je me range à la majorité de la Chambre d'appel en pensant qu'il convient de rejeter l'appel de Monsieur Lubanga. Cependant, je ne suis pas d'accord avec l'opinion de la majorité selon laquelle il n'est pas nécessaire de statuer sur la question juridique de savoir si l'article 8, petit 2, E, petit 7 romain du statut contient trois crimes distincts ou trois comportements distincts à travers lesquels le même crime peut être commis. À mon avis, l'article 8, paragraphe 2, petit e, 7 chiffres romains du statut, contient trois comportements distincts relatifs à un et même crime. Cette conclusion est étayée par l'examen du sens ordinaire des dispositions à la lumière des éléments du crime que viennent soutenir les objectifs et dispositions du droit humanitaire international pertinent, le contexte de la rédaction du statut ainsi que la jurisprudence de la Cour spéciale pour la Sierra Leone. Par conséquent, M. Lubanga aurait dû être condamné pour un crime. Rendre un verdict de culpabilité pour un crime au lieu de trois crimes est suffisamment important pour que la Chambre d'appel se saisisse de cette question proprio motu. Cela conclut le résumé de mon opinion dissidente relative à la décision relative à la peine.
Thank you, Judge Song. Le juge président, je vous remercie, juge Song. Je donne la parole à la juge Ushatska. Juge Ushatska. Merci, monsieur le juge président. Avec tout le respect dû, je marque mon désaccord avec mes confrères sur la décision de confirmer le jugement, que j'aurais infirmé personnellement. Premièrement, parce que les charges sous-tendant la condamnation de M. Lubanga n'étaient pas suffisamment détaillées. Et deuxièmement, parce qu'il n'a pas été établi, au-delà de tout doute raisonnable, que des enfants faisant partie de l'UPC-FPLC avaient effectivement moins de 15 ans. S'agissant des charges, je considère que les 9 cas individuels constituaient les faits essentiels sous-tendant les crimes reprochés, que le procureur devait démontrer éléments de preuve à l'appui au procès. Les autres allégations ayant trait à une série de crimes ne contenaient pas de référence à une seule victime identifiée, tandis que les dates et les lieux étaient indiqués de façon trop vague, ce qui est inacceptable. Ces allégations factuelles imprécises n'auraient pas pu être considérées comme opérationnelles sans les 9 enfants soldats qui constituaient la colonne vertébrale de cette affaire. Pendant 5 ans et demi, le procès s'est poursuivi sur la base selon laquelle les 9 cas individuels représentaient les faits essentiels sous-tendant les charges. C'est contre ces charges-là que M. Lubanga s'est défendu. Or, in fine, il a été déclaré coupable d'une série de crimes visés par des charges imprécises. Le droit d'être informé des charges est une condition sine qua non de tout procès équitable. Et l'équité n'est pas possible si l'accusé est privé de ce droit. En l'espèce, la nature abstraite des autres charges a donné lieu à de vagues affirmations selon lesquelles les enfants étaient enrôlés ou conscrits dans l'UPC-FPLC ou utilisés dans des hostilités, affirmations tenant lieu d'éléments de preuve. L'absence d'informations concrètes parmi les éléments de preuve présentés signifie que M. Lubanga a été privé de la possibilité de contester de manière significative les éléments de preuve présentés au procès. Finalement, même les constatations factuelles de la Chambre de première instance ont été entachées par le même degré d'imprécision. À mon avis, les éléments de preuve sur lesquels la Chambre de première instance s'est fondée pour condamner M. Lubanga n'étaient pas suffisants pour atteindre le seuil d'au-delà de tout doute raisonnable. Bien que la Chambre de première instance ait rappelé la norme applicable dans une ligne de son jugement, elle semble avoir appliqué ultérieurement et dans la pratique une norme moins contraignante. À mon sens, ceci suscite des préoccupations. La Chambre de première instance avait-elle plus à cœur de créer un compte-rendu des événements plutôt que de déterminer la culpabilité d'un accusé dans le respect de la norme d'administration de la justice applicable dans le cadre d'une procédure pénale? Je considère que les éléments de preuve en l'espèce étaient particulièrement insuffisants pour établir à tout le moins que certains enfants au sein de l'UPC-FPLC avaient moins de 15 ans. Estimer l'âge d'un individu uniquement sur la base de son apparence physique est une entreprise très complexe et peu fiable, et ce même lorsqu'on utilise des méthodes scientifiques. Pour cette raison, la Chambre de première instance a indiqué avoir agi avec circonspection lorsqu'elle a évalué les éléments de preuve relatifs à la détermination de l'âge. C'est pourquoi elle s'est fondée exclusivement sur, premièrement,
des estimations de l'âge données par des témoins non experts. Deuxièmement, sa propre appréciation de l'âge des individus apparaissant dans les vidéos. Et troisièmement, une lettre interne de l'UPC-FPLC en date du 12 février 2003, où il est fait référence à la démobilisation des enfants dont l'âge se situe entre 10 et 15 ans, voire 16 ans. En ce qui concerne les témoins, la Chambre de première instance s'est fondée sur les estimations données par des témoins non experts quant à l'âge d'individus inconnus ou non identifiés. Souvent, les témoins n'offraient même pas d'explications, ne fournissaient pas d'explications sur la manière dont ils connaissaient et savaient que l'enfant en question n'avait pas 15 ans. Et souvent, les témoins faisaient référence aux enfants dont l'âge était relativement proche à 15 ans. La Chambre de première instance s'est également fondée de façon massive sur la déposition du témoin P46 qui travaillait pour le programme de démobilisation de la MONUC et dont la connaissance des enfants qu'elle rencontrait était fondée entièrement sur ce que les enfants lui avaient dit eux-mêmes. À mon avis, en acceptant en bloc sans contestation aucune ces éléments de preuve, la Chambre de première instance n'a pas fait preuve du degré nécessaire de circonspection. En ce qui concerne l'élément de preuve vidéo, la Chambre de première instance a déclaré qu'elle ne s'est fondée que sur des extraits vidéo où apparaissaient des enfants qui avaient manifestement moins de 15 ans. Or, les enfants apparaissant dans les extraits vidéo sur lesquels s'est fondée la Chambre de première instance, avait près de 15 ans et donc cela ne permet pas de déterminer au-delà de tout doute raisonnable que ces enfants n'avaient pas 15 ans. L'on ne voyait que partiellement ces enfants et leur taille n'était pas très claire non plus en l'absence de tout facteur de comparaison objectif. La Chambre de première instance a fait fi de ces problèmes et s'est contenté de conclure que les images se passaient de tout commentaire. L'extrait vidéo du garçon qui jouait avec un insecte est, à mon avis, l'élément le plus impérieux eu égard à l'éclairage, à la clarté de l'image et au plan rapproché de cette personne en particulier. Pourtant, cette personne qui apparaît dans cet extrait vidéo a pu être localisée par l'équipe de défense de M. Lubanga et même citée à comparaître devant la chambre d'appel en tant que témoin D40. Dans sa déposition, le témoin D40 a déclaré qu'il avait entre 19 et 20 ans au moment où la vidéo a été filmée. M. Lubanga a cité un autre individu apparaissant dans un des extraits vidéo sur lesquels la Chambre de première instance était fondée. Cet individu en question était le témoin D41, qui a déposé devant la Chambre et qui avait dit avoir entre 17 et 18 ans à l'époque où la vidéo a été filmée. Je ne souscris pas à la décision de la majorité de la Chambre d'appel de ne pas admettre cet élément de preuve supplémentaire. Car à mon avis, vu la faiblesse généralisée des éléments de preuve établissant que certains enfants avaient moins de 15 ans, l'élément de preuve supplémentaire proposé s'agissant des témoins D40 et D41 aurait pu démontrer que l'approche de la Chambre de première instance était viciée et que, par conséquent, cela aurait pu avoir un impact sur la condamnation. Enfin, je marque mon désaccord avec la conclusion de la Chambre de première instance en ce qui concerne la lettre du 12 février 2003. Elle estime que cette lettre corrobore d'autres éléments de preuve selon lesquels les enfants de moins de 15 ans faisaient partie de l'UPC-FPLC à l'époque. En fait, la lettre ne fait référence que à la formation d'agents de démobilisation et non pas à la présence d'enfants
au sein de l'UPC-FPLC. La lettre avait une portée beaucoup plus importante que l'UPC-FPLC, étant donné que le processus auquel il y est fait référence concerne les enfants soldats en tant que problème prévalant dans la région dans son ensemble. Par conséquent, je ne considère pas que cet élément de preuve documentaire aide à établir l'élément relatif à l'âge dans ce contexte. Par conséquent, j'estime que l'élément indispensable du crime n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable. J'espère qu'à l'avenir, les poursuites d'auteurs de ce genre de crime produiront des éléments de preuve plus directs et plus convaincants et qu'ils préserveront l'équité de la procédure. L'équité est au cœur des poursuites pénales et les droits fondamentaux de l'accusé ne devraient pas être sacrifiés simplement parce qu'il faut établir le compte-rendu historique des événements. Compte tenu de ces considérations, j'aurais conclu personnellement que la Chambre de première instance n'a pas agi de façon raisonnable en condamnant M. Lubanga des crimes de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les rangs de l'UPC-FPLC et de les utiliser pour les faire participer activement à des hostilités entre le 1er septembre 2002 et le 13 août 2003 au sens des articles 8, 2, 7 et 25, 3 A du statut. Je me dissocie également des conclusions de la majorité en ce qui concerne la peine. Je vous remercie, Madame le juge Tchatska. Je vais à présent passer au résumé de l'arrêt relatif à la décision sur la peine. Le 10 juillet 2012, après avoir reçu les soumissions écrites des parties et des participants et après avoir les avoir entendues, en ce qui concerne les éléments de preuve portant sur la peine, la Chambre de première instance a condamné M. Lubanga, premièrement pour la conscription d'enfants de moins de 15 ans à 13 ans d'emprisonnement et pour enrôlement d'enfants de moins de 15 ans à une peine de prison de 12 ans et pour faire participer des enfants de moins de 15 ans à 12 ans pour les avoir fait participer activement aux hostilités. Sur la base de ces peines individuelles et conformément à l'article 78.3 du statut, la Chambre de première instance a imposé une peine unique de 14 années d'emprisonnement. Le 3 octobre 2012, le procureur et M. Lubanga ont déposé leurs notifications respectives d'appel et le 3 décembre 2012, de la même année, donc, ils ont déposé leurs documents respectifs à l'appui de leur appel contre la décision relative à la peine. En commençant avec la norme de la preuve et les critères d'examen, la Chambre d'appel estime que l'article 78 du statut et la règle 145.1 du règlement de procédure et des preuves indiquent que, afin de pouvoir déterminer une peine, la Chambre de première instance, basée sur ses connaissances intimes de l'affaire, devra établir un équilibre de tous les facteurs qu'elle estime pertinents. Par conséquent, la Chambre de première instance exerce son pouvoir discrétionnaire afin d'imposer une peine proportionnée qui convienne et qui reflète la culpabilité de la personne condamnée. Néanmoins, la Chambre d'appel stipule que, au titre de l'article 145.1c du règlement de procédure et de preuve,
Cette disposition exige en outre que les facteurs mentionnés à l'article 78.1 du statut, que la Chambre d'appel tienne compte d'une liste non exhaustive de facteurs supplémentaires contenus dans cette disposition juridique. En ce qui concerne le critère d'examen, la Chambre d'appel a pour rôle principal de déterminer si la Chambre de première instance a commis une erreur dans le prononcé de la peine. Le rôle de la Chambre d'appel n'est pas de déterminer proprio motu laquelle des sentences ou des peines est appropriée, à moins, comme cela est stipulé à l'article 83.3 du statut, qu'elle ait conclu que la sentence ou la peine imposée par la Chambre de première instance est disproportionnée par rapport au crime. Ce n'est qu'à ce moment-là que la Chambre d'appel peut modifier la peine et imposer une nouvelle peine. La Chambre d'appel estime que l'examen du pouvoir discrétionnaire d'une chambre de première instance dans la fixation de la peine doit se faire avec retenue. Elle n'interviendra que, premièrement, si l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Chambre d'appel est fondée sur une mauvaise interprétation de la loi et si du droit ou si ce pouvoir discrétionnaire s'est exercé sur une conclusion incorrecte des faits ou suite au fait qu'en établissant un équilibre entre les différents facteurs, la peine qui est imposée est déraisonnable par rapport au crime et constitue un abus de pouvoir. Par ailleurs, la chambre de première instance, la chambre d'appel estime que l'effet matériel d'une telle erreur ne peut être établi que si l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la chambre d'appel mène à une peine disproportionnée. On va passer maintenant aux différents appels. L'appel du procureur. Le procureur fait valoir trois moyens d'appel et demande à la chambre d'appel d'accroître la peine. Premièrement, elle fait valoir que de toute évidence, la peine est disproportionnée en raison du fait que la chambre de première instance n'a pas correctement tenu compte de tous les facteurs pertinents et a imposé une peine qui ne correspond pas à la gravité des crimes pour lesquels M. Lubanga a été condamné. Après avoir examiné les éléments de preuve auxquels le procureur fait référence ainsi que la peine qui a été imposée à M. Lubanga, la Chambre d'appel estime que l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance n'était pas déraisonnable. Elle a correctement pesé et évalué tous les facteurs pertinents en imposant une peine qui reflète la culpabilité de M. Lubanga, telle que l'exige la règle 145.1. A du règlement de procédure et de preuve. En outre, la Chambre d'appel rejette comme non justifié l'argument du procureur selon lequel la peine imposée était disproportionnée par rapport aux peines qui sont imposées par d'autres tribunaux internationaux. Deuxièmement, le procureur fait valoir que la Chambre de première instance n'a pas tenu compte l'abus d'autorité et de confiance de M. Lubanga comme étant un facteur aggravant. La Chambre d'appel note que le procureur avait demandé à la Chambre de première instance de considérer l'abus d'autorité de M. Lubanga comme un facteur aggravant. La Chambre de première instance était effectivement consciente de cette demande, mais a décidé d'analyser la position de M. Lubanga en tant que président et commandant en chef de l'UPC pour établir le degré de sa participation dans les crimes pour lesquels il a été condamné. La Chambre d'appel estime qu'il n'y a aucune erreur dans l'approche adoptée par la Chambre de première instance. Troisièmement, le procureur fait valoir une erreur de droit en appliquant le mauvais
tests pour déterminer les facteurs aggravants ou, de manière subsidiaire, les erreurs de fait en concluant de manière déraisonnable en se basant sur les éléments de preuve. La Chambre d'appel estime que le procureur fait une mauvaise interprétation de son test et rejette cet argument. En ce qui concerne les erreurs de fait soulevées par le procureur en ce qui concerne l'évaluation des faits qui sous-tendent les traitements cruels et les actes de violence sexuelle, la Chambre d'appel estime que il n'était pas déraisonnable de la part de la Chambre de première instance de conclure que le lien entre M. Lubanga et les facteurs aggravants allégués dans le cadre des charges n'avait pas été établi au-delà de tout doute raisonnable. En passant à présent à l'appel interjeté par M. Lubanga. M. Lubanga soulève 4 moyens d'appel et demande à la Chambre d'appel de rejeter la décision relative à la peine ou subsidiairement réduise la peine imposée par la Chambre de première instance. En premier, il soulève des erreurs de droit et de fait commises par la Chambre de première instance dans son évaluation de la nature à grande échelle des crimes pour lesquels il a été condamné par rapport à la gravité des crimes. M. Lubanga soutient que la Chambre de première instance, en se fondant sur le caractère à grande échelle des crimes, a inclus des actes non criminels, notamment le recrutement d'individus âgés de plus de 15 ans. La Chambre d'appel rejette cet argument et estime que la Chambre de première instance s'est fondée sur la conclusion qui figure dans son jugement qui établit le caractère à grande échelle pour les crimes en faisant référence aux individus âgés de moins de 15 ans. En ce qui concerne les erreurs de fait alléguées, la Chambre d'appel a décidé de ne pas revenir sur les erreurs sur lesquelles une décision a été déjà prise, rendue dans l'arrêt relatif au jugement. Deuxièmement, M. Lubanga fait valoir des erreurs de droit et de fait en soutenant que la Chambre de première instance n'a pas pris en compte les violations par M. Lubanga, les violations du droit fondamental de M. Lubanga dans la détermination de la peine. La Chambre d'appel note que ni la Chambre d'appel dans sa décision relative à l'arrêt de la procédure, ni dans la décision de la Chambre de première instance dans l'arrêt de la procédure ou le jugement de condamnation, est trouvé qu'il y a eu une violation sérieuse, grave violation des droits de M. Lubanga et qui justifierait une réduction de peine. Du point de vue de la Chambre d'appel, ces allégations ont déjà été traitées en phase de procès. En outre, la Chambre d'appel estime que M. Lubanga a mal interprété la décision de la Chambre d'appel en ce sens qu'elle n'a pas conclu que la suspension de la procédure affectait son droit à une réduction de peine comme une forme de remède. Enfin, en ce qui concerne les erreurs de droit de fait alléguées, la Chambre d'appel estime que M. Lubanga n'a pas établi la manière selon laquelle la Chambre de première instance n'a pas considéré les violations par l'accusation comme étant un facteur atténuant. La Chambre d'appel rejette comme non justifié le troisième moyen d'appel selon lequel la Chambre de première instance n'a pas déduit de la période concernant la condamnation le temps que M. Lubanga a passé en détention en RDC du 13 août 2003 au 16 mars 2006. Enfin, la Chambre d'appel rejette le quatrième appel de M. Lubanga fondé sur des erreurs selon laquelle la Chambre de première instance a conclu que
les faits et les circonstances telles que mentionnées dans la décision de confirmation des charges correspondaient à la peine. La Chambre d'appel estime que M. Lubanga n'a pas suffisamment étayé ce moyen d'appel. En résumé, considérant qu'aucun de ces éléments, de ces moyens d'appel n'ont été, étant donné que la Chambre n'a fait droit à aucun de ces éléments d'appel, la Chambre d'appel, par majorité, à l'exception du juge Song et du juge Ushaska, confirme la décision relative à l'appel et rejette l'appel. Comme je l'ai indiqué, le juge Ushaska émet son désaccord pour les raisons qui ont été indiquées dans l'arrêt relatif à la décision par rapport au jugement. Et à présent, le juge Song va donner un résumé de son opinion dissidente partielle. Monsieur le juge Song. Je vous remercie, monsieur le juge président. À la lumière de mes observations, selon lesquelles la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que l'article 8.2e petit 7 romain du statut de Rome contient les trois crimes distincts de conscription, d'enrôlement et de l'utilisation d'enfants à participer à des hostilités, ainsi qu'en condamnant M. Lubanga sur ces trois crimes distincts, j'estime que la Chambre de première instance a également commis une erreur en prononçant trois peines distinctes. Elle aurait dû au contraire prononcer une seule peine. Tout en étant d'accord cependant avec les arguments de la majorité, je marque mon désaccord sur un seul point, qui est le suivant. Il n'est pas nécessaire, dans le contexte de ce présent appel, de déterminer laquelle des approches possibles relatives à l'interaction entre les facteurs de l'article 78.1 du statut et ceux de la règle 145.1c du règlement de procédure et de preuve est correcte. À mon avis, afin d'assurer une pratique cohérente de prononcé de la peine, la Chambre d'appel devrait donner suffisamment de directives quant à la manière dont une chambre de première instance devrait tenir compte de ces facteurs lorsqu'elle détermine la peine. Ces facteurs sont définis dans mon opinion dissidente. Je vous remercie, Monsieur le juge président. Je vous remercie, Monsieur le juge Song. Je suis arrivé au terme du résumé de ces arrêts. Il ne me reste plus qu'à remercier les parties et les participants, les interprètes et les sténotypistes. Je voudrais également remercier le personnel du greffe pour avoir facilité la tenue de la présente audience. Je vous remercie tous. L'audience est levée. Vous levez.